je voulais détruire le truc. En avant. Là, je vous conseille juste d'avoir de la chance. Hein. Mais c'est pas vrai, j'ai plus de trucs pour me. Lâchez-moi, mais lâchez-moi. Pas vraiment, je suis en ligne, ça m'aide. Bon, trop tard. Ouais, bon, il est encore en vie. Je sens qu'il va pas tenir. Ah, non, c'est pas vrai. J'ai jamais eu autant de mal. Pourtant, je me sens pas plus pire qu'un autre jour. Ah, ils le font exprès, hein, c'est parce que je suis en direct. Enfin, presque. Attends, j'ai bientôt plus de nanorobots. Eh, c'est des niveaux 11 quand même. Prototype détruit. D'autres ennemis arrivent. Bravo à tous. Couvrez-moi, je rentre les codes d'Aurillion dans la porte. Plus vite, ça devient critique ici. Je sais. Là, leurs armes, elles sont trop rapides pour que vous puissiez utiliser la technique couard. Hein, et eux, ils savent viser. Alors, ce que je vous conseille, c'est de les attaquer, comme ça, il y en a moins. Parce que les techniques couard, à partir de maintenant, ça n'existe plus. Hein. Oh, c'est très beau. Malheureusement, il n'en prend pas beaucoup des dégâts. C'est bon, porte débloquée. Trent, King, allez-y. Mes hommes vous suivront. Ouais, mais je vais pas. Ah, mais c'est où? Vite, 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 vite. Voilà, dès qu'ils vous disent qu'on peut y aller, vous y allez. Hein. À moins que vous vouliez crever. Je n'approuve pas votre choix, mais c'est votre choix quand même. Bon, ceux qui connaissent le jeu savent que ce n'est qu'une qu'un repos. Vous avez vu le gros chantier? J'ai fermé la porte derrière nous. Entendu. On y va. N'ouvrez pas le feu. Il y a 6 trucs. Je me demande ce qu'ils construisent dans les cœurs. C'est regardez l'Alaska. On ne devrait plus être très loin de la prison. Walker, vous savez que c'est un cul-de-sac. Il faut prendre le chemin à l'envers. Chaque chose en son temps, King. D'abord, nous devons récupérer Jacobi. J'ai pas compris ce que vous voulez dire par faut prendre le chemin à l'envers. Par contre, en fait, je me demande qu'est-ce qu'il y a. Ah, des mines. Ces trucs-là, c'est horrible. Et puis en plus, ça fait guise de pierres, de cailloux. Donc vous pouvez pas comprendre. Je crois que c'est des mines, hein. Donc c'est impossible de voyager là-dedans. Et ça vous prendrait des heures, hein. Juste pour aller par exemple là. La station aurait déjà dû nous contacter. Je n'aime pas ça. Cube. Les ponts d'arrimage fonctionnent, mais tout le reste est trop calme. C'est comme si les gardes étaient tous endormis. Ou morts. Nous n'avons pas d'autre choix. Peut-être sommes-nous en veine. Préparez armes de poing, je vais devant. Trent ensuite, puis King. Arrimage impossible. En attente. Bon, c'est en cinématique et donc un petit peu de repos pour moi. Eh ben, un bon visionnage de cinématique. Hein. Que vous dire de plus? Sinon, je pourrais faire RP. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur. Ah, la musique. Où sont-ils tous? Je n'en sais rien. Ça m'a tout l'air d'un piège. Vous avez vu, on a deux copains.
Par contre, j'ai l'impression que c'est pas très fort. Alors, on va monter les sons. Allez, volume On des l'a détruit. dialogues, volume des effets sonores et volume de la musique. Excusez-moi pour cette musique pas très. Enfin, cette voix. Voilà, ça devrait être mieux. Madame la Présidente, heureux de vous voir éveillée. Reed, que signifie tout ceci? Désolé pour votre épaule, nous avons fait de notre mieux. J'avais demandé à ce que vous soyez capturé sans dommage. Qui? Reed, espèce de sale traître, qui a dit ça? Le chancelier? Heureux de voir que ces crétins ne vous ont pas trop abîmé, ma chère. Le temps est compté, car dans quelques minutes, on vous aura implanté une sorte de petite graine. Non, ce n'est pas ce dont vous croyez. Je dirais que c'est pire. Où peuvent-ils détenir la présidente? C'est à nous de le découvrir. Je n'aurai de cesse de vous voir payer pour ça! Je comprends votre colère, madame la présidente. Moi aussi, je me suis perdu au début. Et puis, mon esprit s'est ouvert à d'autres possibilités. Vous verrez. C'est le chancelier. Tirez! Madame la présidente, tout va bien? Merci. Que diable vous fallait-il? Un carton d'invitation? Écoutez, je... Vous alliez laisser cette chose s'en prendre à la présidente? Désolé, mais j'ai pas pour habitude de tirer à vue sur les politiciens. Trent, est-ce qu'il ressemblait vraiment à un être humain? Je vous ai dit... Attention! Quoi? Brûle en enfer, Arthur. Super, vous avez eu votre film d'horreur de la journée. C'est entièrement éclairé! En ligne, fichons le camp d'ici! Non. Hey, c'est qu'ils essaient de nous tirer dessus, méchants. Fuyons. Hein, j'ai pas d'autre chose à vous dire, courez. Même si, disons, c'est théoriquement impossible de courir. Ça devient difficile. Nous n'aurons pas le plaisir de les surprendre cette fois. C'est quoi ça? Des nomades, rejoignons la porte de saut. N'attaquez pas les nomades. La porte de saut est proche. Maintenez le cap, on y arrivera. Vous avez vu, c'était des nomades. Bon, ils l'ont dit, hein, mais... La porte de saut est bloquée. C'est un piège. Ils arrivent. Il n'y a qu'une seule issue. Il faut leur rentrer dedans. J'y vais. Stayo. Bon, je sais, les dialogues... que j'ai, ils sont pas hyper, mais je commence vraiment en avoir marre là. Pourquoi est-ce que j'ai pas de chance? J'imagine que ça ira en avant. J'aligne la cible. Ils attaquent. Nous avons beaucoup de pertes. Plus de contact avec chambre des machines. En fait, je dirais que la meilleure technique c'est la poire. Mais là. Ah, un nomade, je vais le tuer, voilà le premier nomade qui est mort. Faut ignorer ça. Champagne les gars. Ils ont pas l'air d'avoir envie de boire. Il y a une brèche, évacuation générale. Courir. Allez, technique quoi. Les vaisseaux arrivent de partout. Courir. Nous n'allons plus tenir très longtemps. Courir. Junko, nous allons tous mourir si nous restons ici. J'ai dit courir. Essayez d'éloigner la présidente. Mais de quoi parlez-vous, Walker? Mon vaisseau est rempli de mines gravimétriques.
J'en ai assez pour ces deux cuirassés. Truc sympa. Il faut juste que je m'approche encore. Mais c'est du suicide. Je sais, mais je dois le faire. La présidente compte plus que tout en s'étant tourmentée. Ils sont en train de me tirer dessus. Emmenez-la. Il doit y avoir une autre solution. Non, il n'y en a pas. Maintenant partez si vous voulez vivre. Ne faites pas ça. Charge activée. Campbell, baissez le champ d'amortissement. Walker. Adieu, Junko. Et gagnez pour moi. Non. Par contre, je crois que ce truc-là, je peux pas vous l'avoir. Je suis désolé, l'autodestruction. Pour détruire quand même deux cuirassés, faut le faire. Mais pourquoi Julie, est-ce que je il suis... Il a dégagé la voix. C'est notre chance. La porte est libre. Corée... Et pourquoi elle est okay. copine avec nous, la que porte tout le monde fonce vers la porte. Nous allons devoir faire très vite. Ouais, mais mince, courir. Au revoir, les méchants. J'ai même pas pu tirer un coup. Tourin qui nous regarde. Et bon là ça vrai ça devient en fait un gros cafouillage quoi. Ils nous attaquent de partout, ils sont nombreux, ils essaient de nous tuer, enfin bon la routine quoi. Et devinez qu'est-ce qui nous attend ici? Hein? D'autres nomades arrivent, on doit s'en aller d'ici. Messieurs, on a courir. Accélérer. Messieurs, on approche. Aller plus vite. Qu'est-ce qu'il nous reste comme vaisseau là? Ah ouais quand même. Soit ils sont tous invincibles, soit c'est vraiment des bons. Ou alors j'ai fait un travail de protection de fou. J'étais tellement protecteur qu'il n'y en a pas un seul qui a pu crever. Mais c'est que il y en a qui essaye de nous tenir. Ne vous approchez pas trop du bas. Du côté et ni du haut, enfin restez bien au milieu quoi. Bon sang, ici Loma, rendez-vous, vous ne faites pas le poids face à nous, libérez la présidente et nous vous laisserons la vie sauve. Vous y croyez? Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'ils ont pas tiré. Ouais, bon, alors continuez à tirer, essayez de survivre. L'agent survival, j'aime bien dire. Et j'ai toujours pas de... Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. L'Osiris. Junko, Monsieur Trent, montez à bord, vite. Ouais, bon, là, en fait... courir. Cible dans la mire, prêt à l'attaque. Alors, vous y allez avec la post-combustion. Et d'ailleurs, ça fait... J'ai tellement baissé les stats qu'il n'y a plus de post-combustion. Courez et n'attendez pas que ça se passe. Hein. Vite, ils sont en train de me tirer dessus. Mais vite, bon sang. Ouais, je suis sauvé. Rapport, colonel Zen. Monsieur, nous avons Jacobi. Le chancelier est mort ainsi que plusieurs hôtes de Liberty. Nous avons pris quelques armes et leurs fichiers tactiques. Analysez-les. Nous avons eu des pertes, monsieur. Walker en fait partie. Compris. J'en déduis que la présidente est saine et sauve. Non, pas exactement, mais je suis encore moi-même, si vous voulez savoir. Si j'en crois les réactions des autres, vous devez être le big boss dans cette affaire. Président Jacobi, voici Casper Aurélion. Oh, c'est vous, Aurélion. Merci. Madame la présidente, ce sont ces gens qu'il faut remercier. Monsieur, les Badlands sont OK. Vos ordres? Mettez le cap sur Tolède. Et dites à Quinten que nous avons des infos pour lui. Oh, et dites-lui qu'il va avoir la visite d'un invité officiel. Vous vous souvenez, Trent, c'était quand ça. J'ai dit que c'était le monde qui changeait les hommes, rarement l'inverse? Non. Eh bien si. Vous savez quoi? J'avais tort. La vérité est que certains ont le pouvoir de changer le monde, comme nous en ce moment. Merci de me l'avoir prouvé. Pas de quoi. Colonel, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait sur ce vaisseau prison. Je vous en prie, Madame la Présidente. Aurélion me tenait informé de la progression des nomades dans les colonies. D'après les informations de votre groupe, la contamination gagne du terrain. Toutes les colonies sont touchées. Quand ce ne sont pas les chefs, ce sont des officiers d'actifs cruciaux, et ça empire. Les communications s'interrompent.